Thierry Renaud, bonjour. Bonjour. Merci de venir ici aux Épicuriales. Avec un grand plaisir. Ça fait déjà un moment que vous venez ici. Qu'est-ce qui vous plaît le plus là? De jouer à l'extérieur, le bruit, cette montée d'adrénaline qui va durer 1h30, 2h. On joue à l'extérieur, donc il faut gagner des points ce soir. Le fait d'être avec du public, de les voir tout de suite en train de déguster, tout ça, vous regardez beaucoup les gens quand ils dégustent vos plats. Oui, parce que les gens, ils expriment plein de choses dans leurs yeux, dans leurs regards, dans leurs réactions. Comment ils regardent leurs voisins, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce... Je trouve ça super parce que la pression, elle est là déjà. Hein, on attend la réaction du client, forcément. Alors, vous êtes un homme du bassin. Oui. Alors, la Guérinière, déjà, on peut en parler. Parce que ça, c'était en 2004, vous obtenez une étoile. Ouais, j'ai obtenu une étoile en 2004 à la Guérinière. J'ai passé 10 belles années. Ouais. Puis un jour ou l'autre, bah, on a envie de courir, on a envie d'y aller tout seul. Hein. C'est ça. Voilà. Hein. Et c'est ce que vous faites d'ailleurs avec le patio. Oui, ouais, j'ai essayé toujours d'avoir le maillot jaune, mais j'avais toujours chez des gens. Donc je me suis dit, il va falloir être leader un jour. Donc aujourd'hui, bah, j'essaye d'avoir le maillot jaune le plus longtemps possible chez moi. Et là, re-étoile en 2012 dans ce fameux restaurant du patio. Le ciel est toujours clair à Arcachon, donc il y a plein d'étoiles. Donc je me suis dit, il va bien s'en décrocher une un jour. Non, bon, c'était un gros challenge. Hein. Il a fallu, on est parti avec très peu de personnes en cuisine, très peu de personnes en salle. Il y a eu des gros investissements personnels, gros investissements aussi dans la maison. Et puis, on est des compétiteurs, on aime ça. Hein. Comme je disais tout à l'heure, l'adrénaline, elle est là tous les jours. Donc, l'étoile, il ne faut pas y penser. Il faut penser aux clients tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il ne faut pas travailler pour le guide Michelin, comme je dis. Il faut travailler pour sa clientèle. Ouais. Et la récompense, c'est qui vous la donne? C'est le client tous les jours. Bah alors, vous aimez la mer, bien sûr, et les produits de la mer en particulier. Et les produits de la mer, oui. Alors, le poisson, bien évidemment. Alors, le poisson, qu'est-ce que vous aimez cuisiner comme poisson? J'aime beaucoup la sole, j'aime beaucoup le bar. Le bar du pauvre qu'on appelle le maigre, qui est exceptionnel. Puis forcément, les huîtres. On les salue sur le bassin. Voilà. Ce soir, donc, ici aux Épicuriales, donc pour une démonstration, qu'est-ce que vous allez nous préparer de bon dans ces cuisines ici des Épicuriales? Alors ce soir, on va débuter par un foie gras chaud au soba de chat. Le soba de chat, c'est du sarrasin torréfié. Hein. Au Japon, ils mangent ça le matin sur le petit déjeuner avec les nouilles. Ça va être vraiment un mélange pomme de terre, foie gras. Hein. On va ficeler de la pomme de terre autour d'un foie gras qu'on va faire frire. On aura un cœur coulant de foie gras. On va avoir un biscuit de pommes de terre, un biscuit très moelleux de pommes de terre et un foie gras chaud au soba de chat. Et une mousseline de pommes de terre à la truffe. Et après, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'Asie, je voyage beaucoup en Asie. Hein. Ça fait à peu près 15 ans que j'y vais. Hein. Et on va travailler la sole du bassin et on va l'associer avec du lait de coco. Parce qu'en Asie, on mange le tom yang, qui est à base de crevettes, piment oiseau, bouillon de volaille. Et le tom yang ka, c'est ce qui est lié à la noix de coco. Donc on va lier ce soir le tom yang ka, justement. On va faire le bouillon, le lait de coco, la coriandre, la citronnelle, la feuille de kaffir. Et on va mélanger tout ça avec des huîtres et la sole. Et ensuite, on terminera par un tube croustillant à la fraise, zesté au kombava avec une crème glacée à la citronnelle. Voilà, on va rester encore un petit peu côté asiatique sur la fraise. Arnaud Chartier, ça vous dit quelque chose? Oui, Arnaud Chartier, je le connais très bien. Il a bossé à peu près 3 ou 4 ans avec moi à la Guérinière. C'est quelqu'un qui est super gentil, qui est adorable. Voilà. Et là, il a obtenu une récompense dernièrement. C'est toujours bien de faire ça. Ça fait toujours plaisir de voir les anciens qu'on a drivés et tout ça réussir. Enfin, je trouve que c'est du pur bonheur, ça. Ça, c'est super. Et vous, ce qui vous anime, c'est quoi aujourd'hui? Ce qui m'anime aujourd'hui, mon métier tous les jours. Ouais. Vous savez, de voir des gens qui rentrent dans vos maisons, qui sont timides, ils ne savent pas où mettre les pieds. Aujourd'hui, c'est un luxe de venir au restaurant. Tout le monde n'a pas le budget de venir au restaurant. Et vous les voyez ressortir avec un grand sourire, vous dites, j'ai rendu des gens heureux. Et ça, c'est chouette. C'est ça, donc vous rendez les gens heureux. Ouais, on essaye de rendre les gens heureux tous les jours. Ouais. Merci Thierry. Avec plaisir. Et bonne soirée aux Épicuriales. Merci beaucoup.